Cet homme s'appelle André Chouinard. À la fin des années 90, il est un membre des Nomades, le club d'élite des Hells Angels, et par le fait même, un acteur important de la guerre des motards qui fait rage au Québec. Il y a eu des meurtres de fait dans la guerre des motards où Chouinard est imputable et responsable. Au plus fort de la guerre des motards, Chouinard choisit délibérément d'élire domicile à côté d'un policier. Dans la vie, il y a plein de choses qu'on peut choisir, mais il y a une chose qu'on ne choisit pas, et c'est nos voisins. Ça aurait été probablement mon dernier choix. Il se disait qu'en restant juste à côté de ce policier-là, jamais il serait victime d'un attentat, jamais des tueurs ne tenteraient le coup. En mars 2001, la police obtient un mandat d'arrestation contre Chouinard, qui a déjà fui au Mexique. Mais sa cavale ne sera pas de tout repos, puisque sa famille, restée au Québec, se trouve dans la mire de la police. Le 28 mars 2001, les forces policières frappent un grand coup contre l'organisation criminelle des Hells Angels. L'objectif principal de cette rafle sans précédent est de mettre fin à la guerre des motards qui sévit au Québec depuis 1994 et qui a fait plus d'une centaine de victimes. On visait particulièrement les Nomades, qui étaient le groupe d'élite des Hells Angels et qui étaient ceux, dans le fond, qui avaient démarré la guerre et qui finançaient la guerre des motards. Les neuf membres des Nomades, le clan de guerre des Hells fondé par Maurice Momboucher, sont les cibles principales de cette opération. Et parmi eux, le nom d'André Chouinard occupe une place de choix. Compte tenu du fait de sa base des affaires, puis compte tenu du fait que c'est un gars qui s'est compté, il s'est occupé des finances, puis s'est occupé de tout l'aspect des activités illégales du club. Pendant la période d'incarcération de Maurice Boucher en 1998, c'est André Chouinard qui a tenu les rênes du club des Nomades. Même s'il n'est pas reconnu pour ses prouesses guerrières, André Chouinard n'en est pas moins un acteur important dans la guerre des motards qui continue de faire rage. Le financier des Hells Angels durant la guerre des motards, c'est André Chouinard. Il l'a dit lui-même, il n'était pas sur le gun, mais c'est lui qui payait le gun et qui payait aussi l'individu qui tenait là. Même s'il n'a pas lui-même appuyé sur la gâchette, André Chouinard est tenu criminellement responsable des dommages causés par la guerre des motards. Les accusations qui pèsent contre lui sont très lourdes. André Chouinard était accusé de 13 meurtres, de 2 tentatives de meurtre et de trafic de stupéfiants. Dans le paisible quartier résidentiel où habite Chouinard, la vue des policiers frappant à sa porte cause toute une commotion. Personne ne se doute que sous ses allures de citoyen respectable et de bon père de famille, André Chouinard est en fait un des plus dangereux criminels au Québec et qu'il a du sang sur les mains. André Chouinard était un Hells Angels atypique en ce sens où il était extrêmement discret comparativement à ses collègues. D'ailleurs, il ne portait jamais ses couleurs des Hells Angels. Il n'avait même pas de tatouage. Les apparences sont trompeuses. En réalité, André Chouinard est un des plus importants trafiquants de drogue au Canada et un des plus prospères. La grande majorité des autres motards pouvaient, bon an, mal an, faire environ 150 000 $ de profit reliés aux activités criminelles. Si on prend l'équivalence pour André Chouinard, on parle beaucoup plus de 600 à 800 000 $ par année. De 94 à 98 environ, on évalue que André Chouinard, avec peut-être un ou deux autres complices des Nomades, ont importé au Québec 4000 kilos de cocaïne dans différentes opérations. Essentiellement, André Chouinard, lorsqu'il a commencé à trafiquer, s'est aperçu que le nerf de la guerre, c'est vraiment d'aller chercher
la cocaïne dans les pays producteurs de cocaïne. Donc, de cette façon-là, il se devait de développer des routes d'accès pour la cocaïne et rapidement, il a développé ces routes-là qui provenaient de Colombie, transitaient vers les États-Unis, soit la Floride, et entraient au Canada par diverses façons. Au début, Chouinard travaillait comme dealer indépendant. Mais en 1994, quand la guerre des motards éclate, il a été forcé de choisir son clan. Les gens qui jouaient dans les stupéfiants devaient choisir « on s'en va avec les Hells, qui étaient les instigateurs de la guerre, ou on s'en va avec l'association, là, qu'on a appelée l'Alliance, qui regroupait les trafiquants de stupéfiants qu'on appelait des « rock machines ». Donc, Chouinard, connaissant un peu les forces et les faiblesses en jeu, a préféré s'allier aux Hells Angels au lieu de les combattre. L'ascension d'André Chouinard au sein de l'organisation des Hells a été fulgurante. En l'espace de 4 ans seulement, il a obtenu ses couleurs de membre en règle des Nomades, le club sélect de millionnaires formé par Mom Boucher. Le principe du crime organisé, c'est pas tellement compliqué. Plus on fait faire d'argent à l'organisation et plus on accède vers les hauts niveaux de l'organisation. Compte tenu du fait que Chouinard, les contacts, les réseaux, les stupéfiants lui rapportaient quand même passablement d'argent, bon, c'était une recrue potentiellement très rentable pour l'organisation des motards. Ça fait que ça a attiré l'attention de Boucher, bien entendu. C'est lui qui avait les contacts en Colombie. Il était le principal, pratiquement l'unique fournisseur de cocaïne des Nomades. C'est donc cette drogue-là qui servait à financer la guerre. C'est lui qui apportait l'argent à la table où les décisions étaient prises. Donc, c'était la raison pour laquelle il a gravi si rapidement les échelons. Mais le fait d'être un membre influent des Nomades ne comporte pas que des avantages pour Chouinard. À mesure que le bilan de la guerre des motards s'alourdit, il sait que sa tête est mise à prix par le clan ennemi des Rock Machines. Il vit constamment avec la peur d'être assassiné. Et il craint aussi pour la sécurité de sa conjointe et de son fils. Sa conjointe avait un fils. Et Chouinard avait des valeurs familiales. Et était très attaché au fils de sa conjointe. C'est un autre élément dans ta vie de tous les jours qui peut t'amener à prendre des décisions de retraite ou de départ quand tu mets toute sa table. En 2000, André Chouinard n'en peut plus. Il demande et obtient le rare privilège de se retirer des Hells Angels en bons termes. Visiblement, André Chouinard est sorti en bon terme des Hells Angels. Normalement, lorsqu'on quitte les Hells Angels en bad standing, lorsqu'on est expulsé ou lorsqu'on est persona non grata, normalement, on sort des rangs des Hells Angels les pieds devant. Même retraité, André Chouinard craint toujours pour sa vie et celle des siens. En septembre 2000, il s'envole pour le Mexique avec l'intention bien arrêtée d'y installer sa famille. Mais cet exil n'échappe pas à l'attention des autorités policières. Alors, à ce moment-là, on a pris les mesures nécessaires pour confirmer son départ. En partie, j'avais assisté au quai d'embarquement où j'ai constaté que M. Chouinard avait quitté le pays pour un vol pour le Mexique. Tout semble indiquer que Chouinard va réussir son pari de repartir à neuf avec sa famille au Mexique.
Mais le 28 mars 2001, son beau plan va s'écrouler comme un château de cartes. Oui, effectivement, les plans d'André Chouinard ont été un peu contrecarrés suite à l'opération Printemps 2001, le 28 mars 2001, alors qu'on a assisté à la plus grande opération policière jamais tenue au Québec. Plus de 2000 policiers qui se sont affairés à procéder à l'arrestation, au démantèlement du groupe de motards Hells Angels Nomades et des groupes affiliés à cette organisation-là. À partir du moment où les policiers se présentent à la résidence d'André Chouinard avec un mandat d'arrestation pour une série de 13 meurtres, deux tentatives de meurtre et trafic de stupéfiants, il devient un des criminels les plus recherchés au Canada. Le 28 mars 2001, aux premières lueurs de l'aube, les policiers se présentent à la résidence d'André Chouinard à Repentigny. Membre en règle des Nomades, l'équipe d'élite des Hells Angels, il est accusé d'une série de 13 meurtres reliés à la guerre des motards. De la fenêtre de son salon, le policier Richard Dupuis, qui est le voisin immédiat d'André Chouinard dans cette paisible banlieue résidentielle, assiste à la scène. Je me souviens, le matin du 28 mars, très tôt, un peu avant 6 heures, j'ai reçu un appel téléphonique d'un ami qui était présent lors de l'opération. Il m'a simplement dit « Écoute, Richard, regarde par la fenêtre, tu vas comprendre sur quoi on travaillait si fort. » Et lorsque je me suis approché de la fenêtre, j'ai vu les véhicules de police arriver, encercler la demeure de mon voisin et procéder à la perquisition, donc à l'entrée à l'intérieur. Ce n'est pas un hasard si Richard Dupuis et André Chouinard sont voisins immédiats depuis bientôt 5 ans. En 1996, au plus fort de la guerre des motards, Chouinard a choisi délibérément d'élire domicile à côté du policier. André Chouinard vivait constamment avec la peur, lui aussi, d'être victime d'un attentat. Pour lui, acheter la maison voisine d'un enquêteur, d'un policier, ça devient un peu comme une police d'assurance. Donc, il se loge la maison voisine de la mienne dans un but évident, c'est que je vais lui servir de protection contre les attentats éventuels. Il se disait qu'en restant à côté de ce policier-là, jamais il serait victime d'un attentat, jamais des tueurs ne tenteraient le coup. Dans la vie, il y a plein de choses qu'on peut choisir, mais il y a une chose qu'on ne choisit pas, et c'est nos voisins. Ça aurait été probablement mon dernier choix. C'est venu perturber, évidemment, la quiétude familiale. Fidèle à sa personnalité, le nouveau voisin fait tout ce qu'il peut pour passer inaperçu et ne pas éveiller les soupçons. De façon générale, dans le voisinage, André Chouinard était vu comme un homme d'affaires, excessivement poli, mais surtout tranquille. Mais à mesure que les mois passent et que le bilan de la guerre des motards s'alourdit, la situation devient de plus en plus stressante pour Dupuis et les membres de sa famille. Lorsqu'on est un Hells Angels, on est en pleine guerre des motards, on prend certaines précautions. Du même coup, on prenait nous aussi certaines précautions. On n'embarque pas, on ne fait pas monter à bord les enfants à bord d'un véhicule sans minimalement faire le tour, sans avoir démarré le véhicule à distance. Parce qu'on sait qu'à cette époque-là, le crime organisé motard utilisait beaucoup les explosifs. Et il y a un minimum de précautions à prendre. Ce qui complique encore davantage les choses pour Richard Dupuis, c'est qu'il a un fils qui est du même âge que celui de la conjointe de Chouinard, et les deux enfants semblent s'être liés d'amitié. Effectivement, que lorsque notre propre fils joue avec le fils d'un Hells Angels, il y a plein d'idées qui nous passent par la tête.
on a toujours peur, on craint toujours qu'il y ait un attentat un peu dans le même esprit qui a coûté la vie du jeune Desrochers. Donc, ça venait augmenter un peu les craintes de voir nos deux enfants jouer ensemble. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas expliquer à un enfant de 5 ans pourquoi il ne doit pas jouer ou pourquoi c'est risqué de jouer avec le fils de son voisin. Donc, on tentait de minimiser de ramener à sa plus simple expression le nombre de fois où ils joueraient ensemble. Un jour, les pires craintes de Richard Dupuis semblent s'être matérialisées. André Chouinard vient sonner à sa porte avec le fils de Dupuis dans ses bras. L'enfant est visiblement blessé à la tête et il saigne. Immédiatement, Chouinard tente de rassurer son voisin. Il y avait une légère lacération au niveau du cuir chevelu. Et André Chouinard est venu avec l'enfant qui était en bas âge et une serviette sur la tête disant « Écoute, Richard, j'aurais jamais voulu que ça lui arrive. Il est arrivé un accident, il s'est coupé. » Et il m'a remis mon fils, mais je voyais d'emblée qu'il était vraiment chamboulé par l'événement, qu'il n'aurait jamais voulu que ça arrive sur sa propriété. Depuis l'arrivée de Chouinard dans le voisinage, c'est la première fois que le policier et le motard ont une conversation. Et Richard Dupuis laisse bien comprendre à son voisin que ce sera la dernière. Et je lui ai simplement remis sa serviette, et c'était drôle, il disait « Non, non, garde-la parce qu'il saigne beaucoup ». Puis je lui ai simplement répondu, « Tu sais, André, je veux même pas te devoir une serviette. » Et il a quitté. Je pense que la conversation, ça voulait tout dire. Richard Dupuis et son épouse, qui est aussi policière, sont de plus en plus préoccupés par leur sécurité et celle de leur fils. Ils envisagent toutes leurs options, incluant celle de changer d'adresse. Lorsqu'on fait le métier que je fais, lorsqu'on veut établir une certaine crédibilité au niveau policier, on ne doit pas démontrer qu'on a une crainte, on ne doit pas avoir peur de ce genre d'agissement-là et de des personnages qui sont reliés aux Hells Angels. J'ai demandé à mon épouse de poursuivre encore un peu plus longtemps et de voir comment se développerait le voisinage et si, à la limite, si je voyais que la famille était en danger, on pourra regarder la possibilité de déménager. Mais vous savez, on est mieux mourir debout que de mourir à genoux. La patience de Richard Dupuis va être récompensée. En septembre 2000, son encombrant voisin décide de s'enfuir au Mexique en espérant que sa famille le suivra ensuite. Chouinard s'installe d'abord à Ixtapa, où l'attend Richard Locke, un de ses ex-confrères des Rockers. C'est là où Richard Locke est très important. Parce que Richard Locke opère un réseau de condos à Ixtapa, au Mexique. Il y avait des Québécois qui étaient là, qui opéraient des commerces en face de certains hôtels qui étaient privilégiés par les nomades à l'époque, par les Hells Angels. Fait que donc, ils se sentaient en sécurité. Chouinard apporte avec lui une importante somme d'argent qu'il compte utiliser pour démarrer deux entreprises, un bureau de change et un commerce de location de voiturettes électriques pour les touristes. Après avoir fait pendant nombre d'années du trafic de stupéfiants, André Chouinard, qui est un homme d'affaires, avait compris une chose. C'est qu'on peut faire beaucoup d'argent avec le trafic des stupéfiants, mais cet argent-là demeure toujours de l'argent sale. Et lui voulait développer l'aspect financier du blanchiment d'argent. Parallèlement, Chouinard entreprend des démarches pour que sa conjointe et le fils de sa conjointe viennent le rejoindre au Mexique à la fin de l'année scolaire, à l'été 2001. Il avait vraiment tout planifié. Il avait contacté l'école primaire fréquentée par son fils ici au Québec pour s'assurer que son fils puisse bénéficier de cours par correspondance. Et il avait également trouvé, dans le secteur où il était au Mexique, une école primaire
où des cours étaient donnés en français et en anglais, éventuellement pour que son fils puisse la fréquenter. Mais à compter du 28 mars 2001, l'exil de Chouinard se transforme en cavale. Il est désormais un des criminels les plus recherchés au pays. Et par un étrange concours de circonstances, c'est son voisin Richard Dupuis lui-même qui sera chargé de le retrouver. Le 28 mars 2001, les policiers se présentent au domicile d'André Chouinard à Repentigny pour procéder à son arrestation en rapport avec une série de 13 meurtres reliés à la guerre des motards. Mais Chouinard est à des milliers de kilomètres de là, dans la région d'Ixtapa, au Mexique. C'est sa femme, André Chouinard, qui l'appelle le 28 mars 2001 pour lui annoncer qu'il y a une frappe policière en cours contre les Hells Angels au Québec. Elle lui a simplement dit, écoute, les policiers sont ici, ils frappent dans la porte, ils semblent avoir des mandats. Et la réponse d'André Chouinard a été simple, laisse-les faire le job, laisse-les rentrer, laisse-les prendre ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Lui, c'est le ménage qu'il avait fait, surtout que l'organisation était déjà passée chez eux au mois d'août en 2000 pour tout récupérer, tout lien visuel ou artefact qui aurait relié Chouinard aux Hells Angels. Donc, il se sentait bien en confiance de dire ben, qu'il fasse ce qu'il y a à faire. Les policiers passent la maison de Chouinard au peigne fin, mais la récolte est assez maigre. Ils ont trouvé plusieurs téléphones cellulaires, ils ont trouvé des agendas bien garnis. Ils ont trouvé aussi, évidemment, des valeurs avec lesquelles, avec l'argent du crime, il s'est procuré. Donc, des bouteilles de vin de grande valeur, etc. Chez André Chouinard, les policiers trouvent certaines choses d'intérêt, mais une en particulier qui frappe l'imagination, c'est un livre de recettes du cercle des fermières, dont les pages intérieures ont été découpées, adoptant la silhouette d'un pistolet. Donc, dans ce livre, on pouvait cacher une arme, sauf que les policiers n'ont jamais trouvé l'arme. André Chouinard ne perd pas une minute. Pendant que les enquêteurs de l'escouade Carcajou perquisitionnent sa résidence de Repentigny, il prend des mesures pour cacher le magot qu'il avait apporté avec lui au Mexique et il se met en mode fugitif. À partir du moment où il a parlé à sa femme le matin de la perquisition, il n'est pas resté pour attendre la police. Ça fait qu'à partir de là, il va se déplacer, puis par son réseau de contacts, par les Québécois qu'il connaît, qui sont au Mexique, par le réseau de contacts de Richard Locke, effectivement, là, il est en fuite. Ça fait que donc, il va se déplacer au Mexique pour pas que les autorités policières mettent la main dessus. Au lendemain de l'opération Printemps 2001, Chouinard reste au Mexique et change constamment d'adresse. Mais il réalise rapidement que la vie d'un criminel en cavale est loin d'être de tout repos. Les grands spécialistes dans les évasions ou dans les services correctionnels vont vous expliquer que quand tu es en fuite, tu es très conscient de ton environnement et de toutes les personnes que tu vas rencontrer. Les personnes que tu vas regarder dehors, des yeux que tu vas croiser, tu penses que tout le monde sait que toi, t'es en fuite. Vivre en cavale à l'extérieur de notre zone de confort, à l'extérieur du pays où, dans lequel on est natif, dans une langue qui nous est souvent étrangère, ça devient excessivement difficile. En plus du stress inhérent à la vie de fugitif, André Chouinard doit composer avec l'augmentation du coût de la vie qui l'accompagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte énormément cher vivre en cavale. Il faut changer souvent d'endroit, il faut déménager, il faut avoir aussi un soutien logistique pour amener les provisions, pour avoir de l'argent, pour louer des véhicules. Donc, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. André Chouinard joue gros en restant au Mexique, car en plus d'être un des criminels les plus recherchés au Canada, il a également la police américaine à ses trousses. Il ne faut pas oublier que André Chouinard faisait l'objet d'une enquête aux États-Unis en raison de ses importations de milliers de kilos de cocaïne qui venaient de la Colombie, mais qui transitaient également par les États-Unis. Donc, il avait pour lui cette possibilité-là de se faire arrêter là-bas ou d'être un jour extradé et être jugé aux États-Unis, ce qu'il ne voulait pas.
Plus les mois passent, plus André Chouinard a le mal du pays. Au-delà de la pression sur ses ressources financières et de la crainte d'être traduit en justice aux États-Unis, c'est l'éloignement de sa famille qui lui pèse le plus. Il songe sérieusement à rentrer au Québec. Il y a plusieurs facteurs qui vont amener André Chouinard à revenir au Québec. Par contre, les deux raisons primordiales, c'est évidemment qu'il s'ennuie énormément de son fils, de son épouse, et il a le mal du pays. Vers la fin de l'été 2001, Chouinard entreprend des démarches pour rentrer au Québec. Mais les attentats terroristes du 11 septembre vont décupler le niveau de risque associé à ce projet. C'est sûr qu'après le 11 septembre 2001, les événements tragiques qui ont eu lieu à New York, le resserrement au point de vue de la sécurité dans les aéroports, les déplacements internationaux avaient rendu la chose difficile pour le plus honnête des citoyens. Alors, pour quelqu'un qui essayait de s'échapper, à ce moment-là, c'était encore plus difficile parce que les documents étaient scrutés avec plus de vigilance de la part des autorités. Les listes de noms de passagers étaient scrutées, les bagages étaient scrutés beaucoup plus qu'avant le 11 septembre. Alors, à ce moment-là, c'était plus difficile pour les gens de se déplacer. L'aventure est d'autant plus périlleuse que les faux papiers dont Chouinard compte se servir sont de piètre qualité. La photo à relever n'était même pas bien collée, là, tu sais. Le permis de conduire était vraiment de mauvaise qualité. Il était sûr, à ce moment-là, en passant aux douanes, de se faire intercepter. Tu vas faire n'importe quoi, là. Ta famille te manque, tes enfants te manquent. Tes priorités de vie viennent de changer, là. Fait que donc, tu vas risquer le tout pour le tout. Risquer le tout pour le tout. C'est ce qu'André Chouinard décide de faire en septembre 2001. Il s'envole pour Montréal, muni de ses faux papiers de pacotille. Il se présente à l'aéroport de Dorval, muni d'un faux passeport américain au nom de Richard Lyle Craig. Ce nom ressemble à s'y méprendre à celui de Raymond Craig, un mafieux qui a eu des démêlés avec Chouinard à propos d'importation de cocaïne et qui a été assassiné un an plus tôt. C'est assez particulier, par exemple, la fausse identité qu'il a choisie. Parce que dans un des noms de sa fausse identité, il a rajouté un des noms de des gens qui l'avaient aidé dans son commerce de stupéfiants à la grande échelle. Le faux passeport de Chouinard est de mauvaise qualité et il est convaincu qu'il va se faire arrêter. Il retient son souffle pendant que le douanier examine ses papiers. Au bout de quelques secondes, qui lui paraissent une éternité, il est autorisé à entrer au Canada. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Activement recherché par la police, il va devoir multiplier les précautions pour rester dans la clandestinité. Septembre 2001. Après une cavale de plusieurs mois au Mexique, André Chouinard, un des criminels les plus recherchés au Québec, a le mal du pays et réussit à revenir au Canada avec de faux papiers. Toujours recherché par les policiers, il se terre maintenant au Québec. Au Canada, au Québec ou à l'extérieur, il est en position de faiblesse tout le temps parce qu'il risque sur une vérification de routine. Le jeu en vaut la chandelle pour le criminel qui est en fuite. Puisque ses priorités de vie étaient familiales, il était prêt à risquer sa sécurité à lui, là, puis à prendre tous les risques imaginables pour revoir le fils de sa conjointe et sa conjointe. Peu importe les risques qu'il devait encourir. André Chouinard sait qu'il aura fort à faire s'il veut revoir son épouse et son fils. En effet, sa résidence de Repentigny, voisine de celle du policier Richard Dupuis, est devenue un sérieux handicap pour lui et sa famille. Ce qui était un avantage pour André Chouinard de s'établir très près d'un policier est devenu un désavantage pour lui lors de sa cavale, puisque les gens,
toutes les organisations policières au Québec étaient au fait que le voisin d'André Chouinard était un policier. Et on a utilisé, évidemment, l'emplacement stratégique que je représentais par mon domicile pour effectuer différentes observations, tant sur la maison que sur les allées et venues de l'épouse d'André Chouinard. Fait que d'une idée lumineuse de vouloir rester à côté d'un policier, sur le long terme, ça devient un boulet parce que le policier va ramasser une quantité faramineuse d'informations qui va devenir des facteurs aggravants lorsqu'il y aura des accusations ou des condamnations éventuelles contre le menteur. Mais ce n'est pas tout. Pendant la cavale mexicaine de Chouinard, son voisin Richard Dupuis a obtenu une promotion. Il est maintenant responsable de l'escouade régionale mixte de Montréal, l'équipe de choc qui fait la lutte aux motards criminels. Et dès là, on avait deux mandats très spécifiques. Poursuivre la lutte contre les motards criminalisés et deuxièmement, de tenter par tous les moyens de localiser les gens qui, suite à l'opération Printemps 2001, les criminels qui étaient toujours en cavale, de tenter de les localiser. Donc, par un concours de circonstances, je me suis trouvé à être le poursuivant de André Chouinard, qui était encore en cavale. Plus que jamais, André Chouinard est dans le collimateur de la police. Mais il compte sur un solide réseau de soutien qui l'aide à demeurer dans la clandestinité. On sait qu'il y a des amis très près de lui qui ont procédé à la location de différents endroits dans lesquels il a habité, mais l'organisation des Hells Angels supportait la famille de façon financière, supportait la cavale, apportait les vivres nécessaires, louait les véhicules dont André Chouinard avait besoin pour se déplacer. Comme tout fugitif soucieux de prolonger sa cavale, Chouinard est constamment en mouvement et multiplie les précautions pour éviter de se faire identifier. Ce qui est le plus dommageable dans le milieu du crime organisé, c'est la routine. Fait que si tu restes toujours à la même place, probablement qu'on l'aurait ramassé en 2002. Fait que les informations qu'on a, c'est qu'il a changé une demi-douzaine de fois d'endroit qu'on a pensé sûr. André Chouinard prenait plusieurs précautions lors de sa cavale. Entre autres, il évitait de conduire un véhicule automobile. Il était beaucoup plus souvent passager que conducteur dans le but de ne pas être soumis à une certaine identification. Il utilisait aussi les transports en commun, le vélo lorsqu'il était dans la région métropolitaine et tout ça dans le but de ne pas être intercepté par un policier dans le cadre de vérification au niveau de la circulation ou de la sécurité routière. L'année 2002 s'écoule et Chouinard demeure toujours en cavale. Mais Richard Dupuis et ses hommes sont patients. La pression est sur Chouinard. Ils savent que tôt ou tard, il va tenter de revoir sa conjointe et son fils. Donc, la clé était le fils de sa conjointe. C'était la clé, parce que M. Chouinard, ayant des valeurs familiales, le fils de sa conjointe lui manquait terriblement. Donc, à partir de là, c'était la clé. Ça fait que tu suis la mère et le fils. La conjointe de Chouinard est tout à fait consciente qu'elle est dans la mire des policiers. Mais elle est aussi une experte dans l'art de brouiller les pistes. On s'est aperçu que cette dame-là était à l'affût des techniques policières puisqu'elle effectuait plusieurs manœuvres de contre-filature, que ça soit passer rapidement à la dernière limite sur un feu jaune et même un peu rouge pour voir s'il y a des gens qui auraient poursuivi la filature. Elle pouvait rouler dans la circulation et se tasser rapidement sur le côté pour voir passer les gens. Elle a fait aussi d'autres manœuvres en changeant de véhicule, en utilisant les transports en commun. Donc, c'était une personne qui était aguerrie aux techniques de filature et aux techniques policières en général. Pendant plusieurs mois, la conjointe de Chouinard réussit à déjouer la vigilance des policiers. Mais au printemps 2003, une négligence tout à fait anodine de sa part va offrir une opportunité en or aux policiers de se rapprocher de leur proie.
Habituée d'être suivie par les policiers dans tous ses déplacements, la conjointe d'André Chouinard est stupéfaite lorsqu'une voiture de police derrière elle actionne ses gyrophares et l'oblige à s'immobiliser. On s'est aperçu que son épouse avait malencontreusement oublié de renouveler les plaques d'immatriculation de son véhicule. Donc, dans le cadre d'une stratégie policière, on a saisi ce véhicule-là et on a rapidement installé une balise de localisation. Donc, c'est cette balise-là qui nous a permis de suivre l'épouse d'André Chouinard plus facilement. La balise de localisation installée sur le véhicule de la conjointe de Chouinard va permettre à Richard Dupuis d'établir que le fugitif se terre quelque part en Estrie, dans le secteur d'Ayers Cliff. Et selon une de ses sources, Chouinard entend profiter du long week-end de Pâques pour organiser une petite réunion familiale. André Chouinard connaît très bien les habitudes policières et compte tenu du long week-end de Pâques, il était sûrement convaincu que les policiers sont en congé comme l'ensemble de la population. Par contre, c'était un peu mal me connaître et j'ai profité de ce long congé-là justement en sachant que lui penserait le contraire pour mettre sur pied une opération visant à le localiser. Le 18 avril 2003, jour du Vendredi Saint, la conjointe d'André Chouinard quitte son domicile de Repentigny. C'est le moment que Richard Dupuis attend depuis 7 ans. Si ces hommes jouent bien leurs cartes, il sera enfin débarrassé de son voisin encombrant. La femme d'André Chouinard a quitté son domicile de la Rive-Nord et s'est dirigée vers une adresse située dans Tétroville. La conjointe de Chouinard sait qu'elle est suivie et elle est déterminée à semer les policiers. À l'intérieur de la maison, elle et son fils enfilent de nouveaux vêtements. Puis, après un délai de plus d'une heure, ils sortent par la porte arrière et montent à bord d'une autre voiture qui les attend dans la ruelle. Heureusement, les policiers ne sont pas dupes du stratagème. Les agents de surveillance physique ont localisé une personne qui correspondait à la description physique, accompagnée d'un jeune enfant qui semblait quitter précipitamment par la ruelle. Donc, on a poursuivi la surveillance physique sur cette personne-là, qui nous a amené, après plusieurs tactiques pour éviter d'être pourchassé par les policiers, vers les cantons de l'Est. La destination finale de la conjointe de Chouinard est un chalet situé à Ayers Cliff, en bordure du lac Massawippi. Pensant avoir semé les policiers, la femme de Chouinard et son fils entrent dans un chalet sans jamais se douter qu'ils sont observés. Avril 2003. Depuis maintenant 2 ans, les policiers sont aux trousses du Hells Angel André Chouinard, recherché pour une série de 13 meurtres reliés à la guerre des motards. En cette journée du Vendredi Saint, ils ont pris la conjointe du fugitif en filature jusqu'à un chalet dans les cantons de l'Est. Les policiers s'approchent de l'endroit lorsqu'ils voient un enfant, un garçon, entrer à l'intérieur. Les policiers de l'ERM, l'escouade régionale mixte, sont pratiquement certains qu'il s'agit cette fois-ci d'André Chouinard. Pour éviter d'alerter les voisins, les policiers décident d'attendre la tombée de la nuit avant de s'en approcher pour tenter d'identifier positivement les occupants. Il y
y a toujours des risques reliés à ce genre d'intervention-là. Le premier, c'est qu'on est en présence d'un criminel, d'un Hells Angels, qui est en cavale, donc il peut être armé. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi la présence de l'enfant. On ne peut pas précipiter une intervention armée au risque de blesser des gens qui n'ont rien à faire là-dedans. L'obscurité venue, un des policiers s'approche discrètement du chalet et y jette un coup d'œil par une fenêtre. Le policier qui s'est approché considérablement du chalet a été en mesure de voir par une fenêtre un individu, un homme, étendu sur un divan. Et à un certain moment, on a vu le petit garçon se diriger vers le divan et aller se coucher, à proprement dit, sur l'individu qui était allongé sur le divan. Lorsque l'information m'est parvenue, je me suis dit qu'il y a seulement le père de l'enfant qui peut faire en sorte d'attirer un enfant si près de lui. Donc, j'étais convaincu, moi, qu'on était en présence d'André Chouinard. Pour éviter toute effusion de sang, Richard Dupuis demande à ses hommes d'attendre que les occupants du chalet soient endormis avant d'y pénétrer. Donc, ils se sont présentés à l'avant et à l'arrière du chalet, ont enfoncé la porte et ont procédé à l'arrestation d'André Chouinard qui n'a démontré aucune résistance. Lorsqu'André Chouinard a été arrêté, il n'avait pratiquement pas modifié son apparence. En fait, tout ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait teint légèrement ses cheveux. Mais on me laisse entendre que si des policiers l'avaient croisé dans la rue, ils l'auraient reconnu. La cavale d'André Chouinard aura duré 2 ans et 21 jours. Pour Richard Dupuis, cette arrestation est doublement satisfaisante. Non seulement on vient de mettre le grappin sur un des membres les plus influents de l'organisation des Hells Angels et un des criminels les plus recherchés au pays, mais sur le plan personnel, il est enfin débarrassé de cet homme qui avait eu le culot de venir s'installer dans la maison voisine de la sienne. C'est un épisode qui est fort particulier. C'est pas tous les policiers qui ont eu la malchance de vivre ce que j'ai vécu en ayant un voisin Hells Angels. Moi, je garde pas nécessairement d'amertume ou je garde pas de sentiments négatifs envers toute cette expérience-là, malgré que je m'en serais volontairement passé. Le 4 mars 2004, André Chouinard plaide coupable à des accusations de complot pour meurtre, trafic de stupéfiants et gangstérisme. Il a écopé de 22 ans de pénitencier, moins la détention préventive qui était d'à peine 11 mois. Par contre, ça lui a évité d'être déporté vers les États-Unis et de faire face à des accusations d'importation de stupéfiants. En 2014, André Chouinard s'est présenté devant la Commission des libérations conditionnelles pour demander des permissions de sortie avec escorte. Sa demande a été refusée par les commissaires. Il aura fini de purger toute sa peine en mai 2024. Oui, il reconnaissait qu'il avait financé la guerre, il reconnaissait que ça servait à payer des armes ou des tueurs, mais c'était pour lui, ce que j'ai senti, une façon un peu quand même de se désengager. J'ai pas senti de sa part, effectivement, comme les commissaires d'ailleurs l'ont fait, une grande empathie envers les victimes. Lorsque un individu comme André Chouinard utilise la force d'une organisation criminelle, se rend complice de crimes aussi atroces que le crime de meurtre, je pense qu'il y a une part de responsabilité. Même si on ne tient pas l'arme à feu, même si on n'est pas celui qui commet l'acte, lorsqu'on encourage, lorsqu'on
paye, lorsqu'on recrute les gens qui font la sale besogne, à mon sens, on est aussi coupable que celui qui la commet.